On arrive à destination et on fait la bracha de Baruch HaGomel, la bracha d'Agomel. Sur les voyages en avion, il y a certes une discussion si oui ou non nous faisons HaGomel. La grande majorité des poskim tranche que oui, on fait la bracha de HaGomel. Il y a aussi une discussion quant à savoir si on a fait un voyage en avion, mais que l'avion n'a pas traversé des océans, des mers et passé sur l'air. Certains disent qu'on ne fait pas la bracha. D'autres disent que oui, on fait la bracha. La seconde opinion, à savoir que oui, on peut faire la bracha de HaGomel pour un voyage en avion, même sur la terre, par exemple, de Paris à Strasbourg, par exemple. Quel temps nous avons pour cette Birkat HaGomel? On essaie de le faire le plus rapidement possible, dès qu'on arrive à destination, dès qu'on a l'occasion de monter au Sefer Torah. L'avis du Mishnah Berurah est intéressante. Il dit que si on a raté la Kriyat HaTorah du lundi matin, il n'est pas nécessaire d'attendre le jeudi la prochaine Kriyat HaTorah. On peut le faire dès l'instant qu'on a 10 personnes. On peut faire devant 10 personnes la bracha. Certains préfèrent attendre quand même la kdusha de la lecture de la Torah du jeudi pour faire cette birkat HaGomel.